Que Dieu vous bénisse, Jésus reste toujours Seigneur. Alléluia. Jésus reste toujours Seigneur. Alléluia. Jésus-Christ reste toujours Seigneur. Pastor Stephen, on Thursday, to just go in after the presence of God and try to pen lyric and melody, and after a couple of hours, just felt like the presence of God just stopped everything. And we wrote a song called The Blessing. It's straight from scripture, and it's the heart of the Father over us as his kids. And we're gonna sing it this morning, if that's okay. And this is a blessing over you and your family and your children. So just receive this morning. Just put your hands out in front of you. Turn your heart to a place of just receiving the blessing of heaven from God himself over you this morning. La parole dit que Dieu te bénisse et te protège. Je ne vais pas trop traduire ça, donc c'est une nouvelle chanson et ça parle de la bénédiction, ok? Bénédiction de génération, des enfants, des choses comme ça. Donc on écoute seulement parce que. Du bien à l'âme d'écouter ces choses comme ça, parce que avec les nouvelles là, c'est l'âme qui est beaucoup affectée, ok? On entend trop de trucs, donc c'est bien d'écouter des choses comme ça. Sa faveur est sur toi, sur ta génération, sur ta famille, sur tes enfants. Et ses enfants, les enfants de tes enfants. Sa faveur sera sur toi pendant 1000 générations. En tout cas, je suis en train de traduire. Sur tes enfants, les enfants de tes enfants. Et sa faveur sera sur toi, se répandra sur toi pendant 1000 générations. Ta famille,
tes enfants, les enfants de tes enfants, sa faveur sera sur toi pendant 1000 générations. Ok, je vais arrêter parce que je vais écouter aussi. Sa faveur sera sur toi pendant 1000 générations. Il est avec toi. Pendant la nuit, pendant le jour, lorsque tu t'en vas, lorsque tu es faible, lorsque tu es fort, c'est pour toi, c'est pour toi. J'espère que j'ai fait l'essentiel. Hein? Soit tu dis amen. 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 Sa faveur sera sur toi pendant 1000 générations. Ta famille, tes enfants, les enfants de tes enfants. De toi, c'est pour toi, il est avec toi, c'est pour toi, le jour et la nuit, pendant que tu sors, pendant que tu rentres. C'est pour toi, c'est pour toi, c'est pour toi. C'est pour toi, c'est pour toi, c'est pour toi. C'est la bénédiction de Dieu. Sera avec toi. Ta faveur sera sur toi, se répandra sur toi pendant 1000 générations. Pour ta famille, tes enfants, les enfants de tes enfants. Il est avec toi, c'est pour toi. Le jour, la nuit, pendant que tu rentres, pendant que tu sors. Dans ta faiblesse, dans ta joie, c'est pour toi. C'est pour toi, c'est pour toi. Je vais arrêter avant qu'on ne coupe le direct. Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ est Seigneur. Ah. En tout cas, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Peu importe ce qui arrive, Jésus est Seigneur. On a sa promesse. Ok? On est sur le net. On nous donne psaume 91. Ok, psaume 91. Donc, lisez ça. En tout cas, je vais essayer d'aider. C'est pas facile. Dieu, il est là. Tenez bon. Ok, c'est pas du jeu. C'est pas vraiment, c'est terrible, mais.
Dieu reste Dieu, Dieu reste plus fort que l'épreuve, Dieu reste plus fort que ce qui se passe. Donc, je n'ai pas arrangé tout ça là, donc je vais seulement, en tout cas, que l'Esprit de Dieu nous aide, que l'Esprit de Dieu, que la présence de Dieu vous donne la force, le courage de tenir bon pendant l'épreuve. Je prie pour tous ceux qui sont ici, pour leur protection. Que Dieu vous aide, votre famille, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège pendant tout ce qui se passe. Au nom de Jésus, amen. Nous avons aussi la promesse, la parole de Dieu qui est là. Avant de lire la parole, la fois passée quand j'ai fait la vidéo, j'ai dit la vie et la mort se trouvent au pouvoir de la langue. La vie et la mort. Ok, donc je vais aller dans la parole d'abord parce que c'est... Ok, c'est psaume... Bon, je vais aller ici. Si je n'avais pas pris ça. D'ailleurs, c'est quelque part ici. Oui, c'est là. La fois passée, je n'ai pas éteint mon ordinateur, donc c'est toujours là. Ok, ça c'est différent. Ok, nous savons du reste que toute chose, ça c'est une bonne parole aussi qui est là. Ok, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ok, recevez cette parole. Vous savez, la parole dit, celui qui croit verra la gloire de Dieu. Ça veut dire que si tu crois là, tu vas voir la gloire de Dieu. Mais si tu ne crois pas, vous voyez le contraire de ça. Donc, moi, lorsque ça a commencé, j'ai dit, ma famille et moi, ok, le coronavirus, ce n'est pas notre part. Parce que la parole dit, la vie et la mort se trouvent au pouvoir de ta langue. Donc, croyez aux paroles. La parole s'est fait chair. La parole est Dieu. La parole a vécu parmi nous. C'est Christ, Jésus, la parole. Donc, lorsqu'il y a des choses comme ça, ça affecte l'âme. Et la parole dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Ok? L'âme de l'homme, le réel, la réelle, je ne sais pas, bon. L'homme même, ok? L'homme est fait de, comment on appelle, le corps, l'esprit, l'âme et le corps, ok? Le vrai là, c'est l'esprit, c'est l'âme. Le vrai, donc quand l'âme est affectée, physiquement tu seras affecté. Comment l'âme est affectée? Ce qu'on regarde là, ça affecte l'âme. Ce qu'on voit, ce qui se passe, les morts, comment ça tue les gens, ça affecte l'âme. Ça rend malade. Ça nous affecte. Mentalement, moralement, ça nous affecte. Donc la parole de Dieu vient pour nous guérir. Donc, lorsque tu as la parole qui dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, tu prends ça, tu dis, cette situation-là, Dieu va la renverser en ma faveur. Lorsque tu parles comme ça, là, ça fait du bien à ton âme. Sinon, ce qu'on est en train de voir, c'est terrible. Donc, lorsque tu acceptes que cette situation-là, Dieu va la renverser en ta faveur, c'est ce qui va arriver dans ta vie. Au lieu de crier, oh, si ça arrive en Afrique, on est mort. Dieu, il est partout. Dieu, il est aussi en Afrique. C'est ce qu'il faut dire. Au lieu de paniquer, au lieu de dire que, hey, ils ont les appareils, ils ont ceci, ils ont ça. Donc, nous là, si ça vient ici, on est mort. C'est toi-même, tu vas te tuer. Ce que tu es en train de dire là, c'est ça qui va te tuer. Donc, ce qu'on doit dire, ce qu'il ne faut pas dire, c'est quand ça va venir en Afrique, là, on est mort.
Dieu, tu dois dire, Dieu est en Afrique, Dieu est avec nous ici. De la même façon que Dieu est là-bas, là, c'est la même façon que Dieu. Ne vous basez pas sur les appareils. Aux États-Unis, là, il y a quelqu'un, c'était en anglais, j'ai partagé sur ma page, mais c'était en anglais, donc je ne sais pas si les gens ont pu entendre. Je vais vous dire, c'est que celui qui a eu le virus, là, c'est qu'il a dit. Aux États-Unis, où il y a les appareils, où il y a tout ce qu'il faut, ok? Donc, lorsqu'il a eu le virus, et puis, au début, il disait, oh, c'est flou, c'est la grippe, c'est pas, bon, on appelle ça flou ici, que, ben, s'il n'a pas ça, des choses comme ça, ils ont fait les tests. Le jour qu'ils ont, en tout cas, que Dieu nous aide. Le jour qu'ils ont fait le test, les grands docteurs, là, ils ont ouvert leur bouche comme ça pour dire au monsieur, tu as le virus, on ne sait pas quoi faire. Donc, le monsieur a dit, si un docteur se place devant toi pour te dire des choses comme ça, tu es mort, quoi. Donc, les docteurs qui ne sont même pas chrétiens, c'est pas les chrétiens, les docteurs... Ne sachant pas quoi faire, les docteurs lui ont dit, la seule chose, ceux qui ne sont pas chrétiens, là, ils ont dit, la seule chose qui te reste à faire, c'est d'appeler Dieu, c'est de prier. Parce que nous, là, on ne peut pas. Tu as le virus. La seule chose qui te reste à faire. Vous pensez que quoi? C'est, comment on appelle? Comment on appelle le pays là? Oh, j'ai oublié. Donc, en tout cas, où ça a commencé là, ok? J'ai oublié le nom. Chez les choses, comment on appelle? Chez les Chinois. Les gens ont prié. C'est la grâce de Dieu qui est en train de diminuer la chose. Même malgré tout, les gens priaient. Donc, ne voyaient pas seulement le côté de la médecine. Il faut voir Dieu, les gens, ils ont prié, les gens prient. Les gens sont en train de prier, c'est pour cela, c'est en train d'aller mieux. C'est pas parce qu'ils ont fait ça, c'est bien de respecter tout ce qu'on vous dit, mais c'est Dieu. C'est Dieu. Ne dites pas, oh, si ça vient, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Parce que ce que vous ne savez pas, la parole dit, la vie et la mort. Ok? Je vais écrire parce qu'il y a une autre parole qui suit là, donc je veux cette parole. Je vais écrire la parole là. Ceci, je vais aller dans la Bible là, c'est un peu petit là, donc. Okay. Que Dieu vous bénisse. Parlez la vie, dites des bonnes choses, ok? Parce que c'est pas... C'est ce que tu dis là, souvent, ce que tu crois. Qu'est-ce que la vie? Ok, c'est ça. Oh, oui, c'est ça. Donc, la vie et la mort se trouvent au pouvoir de ta langue. Ça veut dire que j'ai dit le vrai côté de l'homme là, c'est l'âme. Donc, avant de t'atteindre, là, c'est des choses comme ça, là, l'ennemi amène. Les nouvelles, ce que tu entends, ça affecte l'âme. Les mauvaises nouvelles, ça affecte l'âme. Ok? Ce que tu entends, là, ça dérange l'âme. Donc, tu dois dire la vie. Ce coronavirus, c'est pas pour moi et mes enfants. En même temps, tu respectes ce qu'on te dit de faire. Parce que, si vous avez remarqué ce qui s'est passé en Égypte avec les Israélites, Dieu a dit, mettez le sang de Jésus sur pour vous. Dieu, il a dit de mettre le sang, il a dit à Moïse, mettez le sang sur votre porte. Mettez le sang d'un animal, ok? Le sang sur la porte et il a ensuite dit, ne sortez pas. Ok? Donc, nous autres, les gens prient pour que Dieu puisse donner l'intelligence aux médecins pour trouver la solution. Donc, ce qu'ils ont trouvé là, on vous dit, lavez la main, fais ceci, fais cela.
Donc, dans le temps de Moïse, ils ont dit, ben, mettez, utilisez le sang sur la porte et ne sortez pas. Vous voyez? Donc, lorsque tu prononces le sang de Jésus sur ta famille et tu vas faire ce qui est interdit, mais ça va t'affecter. Tu ne fais pas ce qui est interdit, tu respectes ce qu'on te dit de faire parce que tu ne sais pas, les gens ont prié, tu ne sais pas si c'est Dieu qui... On sait que c'est Dieu qui donne l'intelligence au docteur pour dire, ok, pour le moment, il n'y a pas de vaccin, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. On respecte ça. Ok, ne sortez pas n'importe comment. Si vous sortez, lavez votre main, vous rentrez. Tu ne vas pas ignorer ça. Ok? Parce qu'il y a le corps, l'âme et l'esprit. Le vrai là, c'est l'âme. Ok? Ok, donc, voici ça, la parole dans Proverbe 18. Verset 21, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort. La vie. Donc, lorsque Satan, lorsque les puissances sataniques, ils veulent t'atteindre, c'est d'abord tes paroles qu'ils utilisent. Ce que tu dis là, ce que tu dis là, si tu parles la vie sur ta vie, tu vas vivre. Si tu parles la mort sur ta vie, tu vas mourir. Donc la parole dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Si tu dis, oh, si ça vit ici, en Afrique, au lieu de penser que Dieu, il est omniprésent, il est présent partout, il est partout. Au lieu de compter sur Dieu qui est tout puissant que le virus, tu vas compter sur ceux qui n'ont pas la foi. Là, ils vont voir seulement les appareils que les gens utilisent. Ce n'est pas les appareils seulement qui, je ne dis pas que ça ne fait pas du bien, ça fait du bien. Mais c'est Dieu qui donne la vie et qui prend la vie. Donc, il faut être plus, il faut compter, faites confiance en Dieu. Ok? Parce que la parole dit, je maudis celui qui met sa confiance à un homme. Je maudis celui qui met sa confiance à un homme. Tu mets ta confiance plus aux appareils qu'en Dieu. Dieu est en Afrique, Dieu est partout aussi. Ok? Dieu, il est partout. Donc, ne dis pas, ce qu'il ne faut pas dire, c'est ne dis pas, on va mourir si ça arrive en Afrique. Oui, tout le monde est en train de parler comme ça, c'est vrai. Il n'y a pas des appareils en Afrique, c'est vrai. Mais Dieu, il est là-bas. Dieu, il est tout puissant. Il est fort plus que ce virus-là. Mettez Dieu au-dessus de tout. Ce que je vais dire la fois passée, ne rendez pas Dieu petit. C'est comme ça que vous allez vivre longtemps. C'est comme ça que cette chose-là ne va pas vous atteindre. Mettez Dieu au-dessus de tout. Glorifiez-le. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Ok? Donc, il y a une autre. Il y a d'autres aussi qui sont en train de dire, oh, il y a des gens qui priaient et puis ils ont eu ça. Donc, c'est comme s'ils sont en train de dire que le sang de Jésus ne fait rien, non. Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ok? Donc, qu'est-ce que la parole dit? Je vais mettre ça là, ici. Ok? Moi, j'ai dit le corona... Virus, le nom là même, la fois passée, je disais Corona, c'est Corona. Ok, on va s'habituer au nom. Et c'est qu'on nous dit de faire parce que on va s'habituer à ça et on va respecter ce qu'on nous dit de faire. Ok, donc je vais lire la parole. Ok. La parole dit ici, je vous donne la parole. La parole guérit. La parole fait du bien à l'âme. Avec ce qui se passe là, c'est la parole. Lisez votre Bible. Ce que Dieu a dit là, c'est ça qui est la vérité.
Ce qu'ils sont en train de dire, je ne dis pas que c'est fou, mais donner plus de l'importance à ce que le Créateur, celui qui détient la vie, là, celui qui prend la vie et qui donne, là, ce qu'il a dit, là, c'est sur ça, là, il faut se tenir debout. C'est ça, là, il faut prendre. OK? Donc, la parole dit parce que, comme un pasteur a été affecté avec ce virus, donc c'est comme si les gens sont en train de publier, dit que le sang de Jésus ne peut rien faire. Non, le sang de Jésus protège. Donc, on doit dire, dans la prière, nous devons invoquer le sang de Jésus. C'est ce que la Bible nous dit, OK? Donc, ceux qui parlent comme ça, je vais vous dire pourquoi ils sont en train de parler comme ça. Ceux qui ne croient plus que le sang de Jésus guérit, le sang de Jésus protège, pourquoi ils sont en train de parler comme ça? Je vais dans la Bible et je vais vous dire pourquoi ils sont en train de parler comme ça. OK? Donc, la parole dit, en tout cas, que l'Esprit de Dieu m'aide, que Dieu nous aide à comprendre sa parole qui est la vérité au nom de Jésus. Amen. Je veux voir. Mais il se laisse. Il ne se laisse pas enraciner. Attends, je vais monter un peu en haut. Le mauvais arrive et arrache ce qu'il a été semé. OK? Mais, OK, je vais. Parce que je ne vais pas lire toute la page là. Donc, je vais lire ici et puis je vais vous expliquer après. Le mauvais, c'est le diable, OK? Le mauvais arrive et arrache ce qui a été semé. Parce que, voici ce que j'ai dit. J'ai dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. OK? Donc, je suis en train de semer la bonne semence dans votre cœur. Maintenant, ceux qui n'ont rien, OK? Parce que, pour résister à tout ça, il faut avoir Christ dans ta vie. Jésus doit être là. Là, tu peux résister à tout. Sinon, l'ennemi, il vient. OK? L'ennemi, il vient comment? Ils vont montrer combien de personnes qui sont en train de mourir. Et la peur va venir. La peur, c'est qui amène ça? C'est l'ennemi. OK? Donc, je vais continuer comme ça. Le mauvais arrive et arrache ce qui a été semé dans leur cœur. D'autres sont comme le terrain pieuse où tombe la semence. Ils entendent la parole et la reçoivent aussitôt avec foi. Quand je dis le coronavirus n'est pas pour moi et ma famille, tout le monde peut venir dire le coronavirus n'est pas pour moi et ma famille. Tout le monde peut dire ça. OK? Mais lorsque on vous montre 30 000 morts, 10 000 morts, est-ce que vous allez répéter ce que j'ai dit encore? La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Lorsque la peur vient, tu vas parler comme ça? Tu vas résister à la peur? OK? Donc, lorsque on dit d'invoquer le sang de Jésus, lorsque les gens sont en train de mourir, tu vas invoquer le sang de Jésus? Tu vas compter sur le sang de Jésus. On t'a donné cette parole. Est-ce que tu vas dire ça dans ta vie? Tu vas déclarer ça dans ta vie? OK? Donc, voici où se trouve le problème. Les gens sont chrétiens dans la bouche. Mais dans le cœur, il n'y a rien. C'est pour cela. OK? Donc, voici ça. La parole, oui, d'autres sont comme le terrain pieux où tombe la semence. Ils entendent la parole et la reçoivent aussitôt avec joie. Mais ils ne la laissent pas s'enraciner en eux. Ils ne s'y attachent pas. Mais ils ne la laissent pas enraciner en eux. Ils ne s'y attachent qu'un instant.
ceci attache qu'un instant. Tu vas m'écouter. Je suis en train de parler, non, je suis en train de faire une vidéo. Tu vas, quelqu'un d'autre va parler aussi. Ok? Quelqu'un d'autre va parler si tu n'as rien là. Les bonnes choses que j'ai données là. L'autre personne qui parle de la part du diable, toutes les bonnes choses que je suis en train de te donner, ça va être détruit. Ok? Ça va être détruit lorsqu'il n'y a pas la foi. Lorsqu'il n'y a rien. Ok? Donc je prie pour que Dieu vous aide. Que Dieu vous donne la force, le courage, son esprit pour tenir bon pendant des épreuves. Que Dieu vous aide à dire ce qu'il veut pour vous. Au nom de Jésus, amen. Que Dieu vous aide, que Dieu vous donne son esprit saint. Au nom de Jésus. Ok? Donc, où ça y est? Ok. En tout cas, que le Saint-Esprit m'aide à bien voir. Au nom de Jésus, amen. Ok? Quand suivit la détresse, ok, je vais reprendre. Mais il ne la laisse pas s'enraciner en eux. Il ne s'y attache qu'en un instant. Et alors, quand survient la détresse, ou la persécution à cause de la parole de Dieu, à cause de ce que vous avez reçu, à cause de ce que je suis en train de vous donner, l'ennemi va venir attaquer. C'est comme ça. Si vous me voyez aujourd'hui, j'ai été guérie du fétiche là. Ok? Parce que quand tu es malade et puis la parole te dit, par ses maîtrissures, tu es guérie. Ok? Par ses maîtrissures, toi tu as prononcé cette parole, par les maîtrissures de Jésus-Christ, je suis guérie. Après, la maladie va chauffer comme ça. Tu vas répéter la même chose parce qu'il faut répéter ce que tu dis là. Il faut répéter même quand ça chauffe. Il faut répéter quand c'est coronavirus, ce n'est pas pour moi et ma famille. Même quand c'est chaud là, ce n'est pas pour moi et ma famille. Je suis trop bénie pour avoir ça. Même quand c'est chaud, tu dois parler. C'est comme ça. Quand ça chauffe, quand il y a des mauvaises nouvelles, quand il y a des choses comme ça, tu ne dois pas laisser ce que tu es en train de dire là. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on tient bon spirituellement. Ce que tu dis là, ok? Tu envoies ça à l'atmosphère satanique qui est en train de... Ok? Qui est là, là. Tu emmènes une parole. C'est comme ça. Dieu, il a parlé que la lumière soit la lumière fut. Nous sommes comme... Bon. Nous sommes des petits. Nous ne sommes pas Dieu. Dieu, il est grand Dieu. Mais nous sommes créés à son image. Donc, c'est la même chose que nous devons faire. Nous, la parole, ce que tu dis là, les bonnes choses que tu dis là, c'est ça qui se réalise dans ta vie. Hein.